sur vous pour accueillir plus que chaleureusement The Verve. Pour la première fois en France depuis au moins 3 ans, ils sont en Black Session. The Verve.
titre qui date déjà d'un certain temps, pour tout vous dire, de l'album précédent. C'était même le titre de cet album, Northern Soul, The Verve. Richard Ashcroft, le leader du groupe tout de noir vêtu et pieds nus, à sa bonne habitude. This is music. This is music. This is music. Somewhere in the middle of fucking Paris. This is music, ça c'est sûrement pour tester votre patience. On était encore en 1995 avec l'album Northern Soul. Et s'il nous faisait le coup de ne jouer que des vieux titres ce soir, ça serait dur. The Verve en direct du 105 sur France Inter. Cat in a bag, waiting to drown.
The Verve, Drugs Don't Work, ou comment se remettre en selle avec un seul single après une errance de plus de 2 ans, puisque Ashcroft avait décidé d'en finir avec The Verve en 95.
Merci beaucoup, Jacqueline Pétrose. Quel timing! Sous-titrage Société Radio-Canada.
Alors, on reprend son souffle, on change de guitare, on s'accorde différemment. Silence on the radio. Lucky Man, Richard Ashcroft, que Kate Radley assise au premier rang, c'est sa compagne, elle ne le quitte pas des yeux. Et c'est assez,
assez rigolo de se dire qu'il y a quelques semaines à peine, c'est son ancien petit ami qui était à la place de d'Ashcroft, puisqu'on recevait Jason Pierce avec Spiritualized. What was his name? I came in black. This one's called History. Ah bah jamais 203. Encore un titre de Northern Soul. I want
The Verve en Black Session en direct sur France Inter. Ashcroft avec ses vieux complices, Nick McCabe, le guitariste, Simon Jones à la basse et Peter Salisbury à la batterie. Simon Tong aussi, que j'allais oublier. So our last song tonight is called Come On. I'm the sweet.
Come On, huitième et dernier titre de cette Black Session de The Verve. Et je peux vous dire qu'il n'y aura pas de rappel, car avant la fin de ce morceau, Richard Ashcroft avait déjà remis ses chaussettes, enfilé ses chaussures, passé sa veste sur ses épaules. Il a même enfilé une parka. Et avant même que le morceau soit terminé, il était prêt à quitter le studio 105 de la maison de la radio. Ça va nous laisser le temps peut-être de terminer avec notre repérage Fnac de la semaine, Pressure Drop.